Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur ma carrière sur Project Cars, donc suite au dernier épisode sur le circuit de Watkins Glen où j'ai pas été très performant. Vous avez vu hein, pas mal de sorties de piste et pas mal d'accrochages avec les pilotes, surtout notamment au départ, hein, ce qui m'a coûté ma course finalement, puisque j'ai très rapidement endommagé la voiture et du coup j'ai eu les plus grands mal à résister. Sur la durée totale de la course, il restait pratiquement plus de temps dans la course. Néanmoins, j'ai été contraint d'abandonner. La voiture était tellement endommagée que ce n'était pas possible de continuer. Et donc, on va essayer de faire mieux ici, hein, sur cette deuxième manche à Sonoma, avec un circuit qui est assez compliqué, hein, qui est très 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 vallonné, avec pas mal de virages. Des parties très techniques. On va tâcher d'appréhender du mieux que possible ce circuit. Et puis en même temps de voir comment se comporte notre LMP2 sur ce tracé. Alors suite à la première épisode, quelques-uns d'entre vous qui ont laissé des commentaires ont bien accueilli cet épisode et ont apprécié le fait de voir du LMP2. C'est vrai que ça change un petit peu, c'est une catégorie qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je prends plaisir à piloter avec cette voiture. Attention de ne pas commettre d'erreur. Alors je sais pas si Maxou le pilote regarde toujours mes vidéos, hein. Je vous allais dire encore que je parle de lui. Mais Maxou le pilote a fait une annonce ces derniers jours sur un championnat sur 5 courses hein, qu'il organisait avec, avec un membre d'une autre équipe sur du championnat BMW. Et et je voulais juste lui faire passer un message. Alors du coup c'est pour ça que je voulais savoir s'il regardait toujours mes vidéos. Pour lui dire qu'en fait j'aurais vraiment aimé participer à ce championnat. Cela m'aurait énormément plu. Surtout que je pense que j'aurais pu faire partie des 30 sélectionnés. Néanmoins, vu les horaires auxquels sont proposées les qualifications et les courses, je crains de ne pouvoir être présent et donc assuré, et c'est à mon grand regret que j'aurais bien aimé participer à cet événement, malheureusement ce sera pas possible. Voilà, en tout cas très belle initiative de ta part Maxou, j'approuve complètement. Et comme j'ai rien à vous cacher, j'ai envoyé un petit message à Maxou via Steam ces derniers jours. Et je lui avais demandé si d'aventure il était possible qu'au sein d'une de ses vidéos il puisse me faire entre guillemets un petit coup de pub. Hein. J'avoue que c'est peut-être pas forcément très, très honnête de ma part. Mais on approche de la barre des 2000 abonnés et on s'y approche, on s'en éloigne. C'est les lois de YouTube, hein, c'est les difficultés de YouTube. Et quand on est si proche de passer les 2000 abonnés, ça en devient très frustrant. Et c'est vrai que bah, je me suis dit qu'un petit coup de boost de la part de Maxou, ça aurait été super, mais je peux comprendre que lui n'en ait pas forcément envie. C'est vrai que sur YouTube, on est un petit peu, comme on dit, chacun pour soi. Hein. Mais ça n'empêche pas et ça n'entache rien l'affection que j'ai pour ce youtubeur qui fait toujours du travail de qualité et que je prends toujours autant de plaisir à découvrir ses vidéos. Et pendant que je parle, donc les minutes s'égrènent
Oula, je viens de m'accrocher avec une LMP1 là qui m'a fait à l'intérieur dans le virage. En même temps, c'est de ma faute, hein. J'ai laissé une belle porte ouverte. Et toujours pour parler des commentaires et des personnes qui m'ont laissé des petits mots suite à ma dernière vidéo sur le LMP2, par rapport à l'aspect plus vivant de mes vidéos, on m'a suggéré d'effectuer mes commentaires un petit peu différemment. Donc on va essayer de s'y tenir, hein. En tout cas, tous les conseils sont bons à prendre, j'ai encore des choses à apprendre, je le sais très bien. Le freinage sur la bosse qui est tangent quand même, parce que la voiture d'un seul coup je la sens plus dans le volant, c'est-à-dire qu'elle glisse au-dessus du sol. Alors c'est un circuit qui est assez bizarre, hein, très technique, très vallonné, beaucoup de virages, pour lequel j'imagine qu'avec la BMW ça aurait été très compliqué de réaliser des chronos et d'être performant, hein. Grosse amélioration du chrono en ce tour. On commence à prendre ses marques petit à petit. Et il suffit que je dise ça pour aller faire un petit tour dans l'herbe qui est totalement desséchée, soit dit en passant. Alors qu'il reste 2 minutes 41 dans la séance, pour cette séance de qualification. Et j'entends une BMW qui me ronronne dans les oreilles là. Je voulais la laisser passer, mais visiblement, le pilote. N'en a eu que faire. On va vraiment essayer de se rattraper, hein, de notre dernière course où on a vraiment été catastrophique au niveau de ma performance. J'ai loupé l'entrée des stands, donc on va faire un dernier tour. Ah, effectivement, faut vraiment freiner avant. Faut vraiment freiner avant. On va rentrer au stand, on va pas insister. On va aller à la fin de la session. Et vous voyez, pour l'instant, j'ai le quatrième temps à l'issue de cette séance de qualification. Ce qui est plutôt. Enfin, j'avais le quatrième temps, donc je suis descendu à la 8e place. Je suis la deuxième LMP2 classée. Mon coéquipier, hein, donc Jonathan Parker, qui est donc aussi sur LMP2, pour l'écurie Orica Nissan, s'est classé 6e. Devant, nous retrouverons sur les deux premières places les deux RW P30 LMP1 de l'écurie Torque Riders et l'écurie Barracuda. Le deuxième Torque Riders est donc quatrième, troisième, pardon. Et les chronos qui sont, on va dire, pas trop mauvais, hein, puisque j'arrive à faire avec à 1,32 alors que le meilleur temps est en 1,27. J'aurais pu améliorer. Mais bon. Et donc on va passer à la course maintenant. En espérant arriver à faire un bon départ et pas faire les mêmes erreurs que
sur la première course. Okay, stand by. The next time you hear my voice, les départs sont toujours un petit peu délicats, hein, on l'a vu. Green, green, green. Go, go, go. Un premier contact ici entre deux voitures. Ça a été chaud là avec le pilote de l'Audi. On s'accroche ici encore. On ne lâche rien. J'espère que ne pas avoir trop endommagé ma voiture ni la sienne. Attention en haut avec le virage. Et on va mettre un petit peu les roues dans l'herbe. Attention à la retour sur la piste. Ça s'est bien passé pour l'instant. Allez, on se déconcentre pas. Alors la voiture qui a bien évidemment un comportement tout autre que pendant les qualifications. Pourquoi ? Parce que elle est bien plus chargée en essence qu'elle ne l'était pendant les qualifications, ce qui est normal. Et du coup, il faut que je me familiarise aussi avec cet embonpoint supplémentaire. Allez, on se ressaisit. Il s'agit de ne pas perdre trop de temps derrière ces voitures. Je suis blotti dans l'aileron d'une Audi R8 qui m'a complètement bloqué la vue. Alors, l'inconvénient des protos, c'est que voilà, on est vraiment plus bas que les autres. Allez, je tente une attaque ici et on s'ajoute des coudes, hein, avec le pilote de l'Audi R8. Deuxième contact. Et finalement, j'arrive à le passer. Et on va aller rejoindre sa catégorie. Pour, espérons-le, gagner des quelques places. Alors on revient bien ici sur le pilote qui est devant. Recommettons pas la même erreur que tout à l'heure. Encore une fois, j'ai fait me faire piéger, hein, en me voyant arriver assez fort sur la voiture qui était devant. Et ça bloque les roues devant. Hein. Il sent que la menace arrive. Oula, ça a été chaud là ici, j'ai senti la voiture partir. J'ai été obligé de la ramener un petit peu. On va lui faire l'inter. Et ça passe un petit peu, on joue des coudes, hein, ici, hein, on n'hésite pas. Et on monte sur le vibreur. Ça va, ça passe, c'est toléré. Et on sait faire passer. On monte là sur le frein. Parce que devant, Teddy Yewa se laisse pas faire. Et il a bien raison. Au freinage ici, on va tenter de se montrer aux côtés de la voiture du pilote qui nous précède. Ah, c'est un peu juste. Ça ne passera pas. Il a bien fermé les ouvertures. Bien défendu là, ce coup-là. Et blocage des roues encore du pilote, hein, de la voiture qui était devant nous. Et du coup, on s'est mis à l'intérieur cette fois-ci. Et ça a passé. Okay, your teammate now in sixth position. We are looking good for some championship points. Donc là, les stands qui m'indiquent que mon coéquipier est sixième et que pour l'instant, au niveau du championnat des constructeurs, c'est plutôt intéressant pour les points.
petite glissade là ici à la sortie du virage. Et là on revient sur le pilote qui est devant, Idibus. Une Audi vraisemblablement. Gros blocage de roue ici de notre part, hein. On a vraiment décollé. Allez, à la réaccélération ici, on arrive à passer. J'en ai loupé ma vitesse. Est-ce qu'il va résister à l'intérieur? Il résiste à l'intérieur. Oulala, attention. Il a bien résisté, hein. Il est repassé à l'intérieur, il a mordu un petit peu sur le vibreur. C'est un pilote qui en veut. Mais qu'il se rassure, il n'est pas tout seul. Alors on est mieux lancé là cette fois-ci. Et au freinage de l'épingle, on devrait avoir, en étant à l'intérieur, l'avantage. On va bien fermer toutes les trajectoires. Hop là, voilà, ça y est, c'est fait. On est passé et on est remonté à la 5ème place maintenant. Nice one, that's your fastest lap so far. C'est vrai qu'heureusement qu'il y a les marques au sol, hein, quand même, pour m'indiquer les virages, hein, parce que si elles y étaient pas, je pense que ça serait un véritable cauchemar. Et c'est à force de pratiquer, hein, sur ces circuits que l'on commence à trouver ces automatismes. Ça a été le cas, hein, pour ma part, quand j'ai fait mes séries de vidéos sur les opus différents de F1 de Codemaster, où les circuits... Certains je les connaissais, comme Monza par exemple, que je connaissais par cœur, mais parce qu'à l'époque j'avais joué à des jeux de Formule 1 sur des vieux ordinateurs ou sur des vieilles consoles, et c'est pour lesquels il n'y avait que trois circuits. Tiens un exemple, moi mon premier jeu de F1 sur lequel j'ai joué, c'était Grand Prix, qui était sur Macintosh, parce que quand j'étais petit, mon premier ordinateur était un Macintosh, Macintosh Plus, hein. Alors si vous cherchez sur internet à quoi ça ressemble, vous allez halluciner. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu un Minitel. Ben, en tout cas, ça ressemblait à ça. Et donc, le premier jeu de Formule 1 auquel j'ai joué, c'était Grand Prix sur Macintosh. Et donc, Grand Prix proposait de faire donc des courses de Formule 1. Au sein de... Je crois qu'il y avait deux écuries à choisir. Il y avait soit la Williams... Ouais, c'était la... Que je dis pas de bêtises. Hein. Ça me met que c'était une Williams. Et puis il y avait la McLaren d'Ayrton Senna. Et il y avait trois écuries parce qu'il y avait la Ferrari aussi. C'est... Ouais, c'était la Williams Renault à l'époque, hein. Il y avait Gerhard Berger, si je dis pas de conneries. Il y avait Prost et Alesi chez Ferrari. Et puis il y avait l'écurie McLaren, Honda. Mais les noms des pilotes, bien sûr, étaient pas les vrais pilotes. Hein. Mais il y avait la petite cinématique du podium à la fin où on reconnaissait un petit peu les personnages, hein, malgré que c'était des graphismes. Noir et blanc, 8 bits, on arrivait à reconnaître les pilotes, mais c'était quand même assez sympa. Après, on va pas s'attarder sur l'aspect réaliste des circuits, alors qu'ici, je reviens sur un trio de voitures, et je me suis même loupé. Et donc, c'est à ce jeu de voitures, à ce jeu de Formule 1 à l'époque auquel je jouais, il y avait trois circuits, il y avait Monaco, Silverstone, si je dis pas de bêtises, et Monza.
Bon, voilà, vraiment falloir trouver la solution pour, ces, pour passer ces voitures, si tant est qu'on y arrive, parce qu'on est bien remonté dessus, mais... Pile on the pressure, this is great stuff. You're gonna do him in the next few laps. On se montre ici dans les rétros, à l'intérieur. On va prendre un tour en plus sur des retardataires. Alors attention au piège. Quand je dis attention au piège, vous voyez ce qui se passe. C'est que les pilotes sont coincés par le pilote retardataire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, le classement devant a été un petit peu chamboulé pour le coup. Ça doit fumer dans les casques. Arriver sur ce boss avec le soleil dans le nez, c'est quand même pas évident. Alors que là, on arrive encore sur des retardataires, mais dans une partie du circuit qui est vraiment délicate. Espérons ne pas effectuer de contact. Le pilote ici de la BMW qui me gêne littéralement. Là, je suis à l'extérieur, je vais même à l'extérieur de la piste. J'ai réussi à gagner une place hein, dans l'histoire. Vous avez vu, hein. Histoire des retardataires, ça pose problème à tout le monde, même au pilote IA. Et là encore un pilote IA que j'arrive à faire sauter. You're inching closer all the time. This is great stuff. Come on, you can take him. Line up your move and get it on. Allez les gars, t'as le drapeau bleu, écarte-toi. Et s'écarte pas de la ligne de course, hein. C'est le drapeau bleu est pas tellement respecté, j'ai l'impression, par les pilotes IA, c'est assez regrettable. Quand nous on essaie de leur faciliter le passage en s'écartant de la trajectoire et en levant le pied, et les voitures plus lentes. Les voitures plus lentes ne font rien, hein. Et elles vont pas vous aider en tout cas. Oui, tant que ce soleil se couche, parce que ça devient délicat sur cette bosse là avec le soleil dans le nez. Là on va encore avoir le problème ici. Allez, on est sur la troisième marche du podium là. Des gros points sur cette course qui se présente à nous si tout se passe bien. On a tâché de faire une course propre, hein, on l'avait dit, on avait une revanche à prendre. J'ai un bon feeling avec la voiture. Et freinage plus tardif. Le retardataire ici qu'on arrive à passer sans trop de problèmes. Et il reste, donc on a la mi-course, hein, il reste 15 minutes de course à peu près. À croire que les stands ne regardent pas ce qui se passe en piste. Ce qui vient de me dire que mes chronos sont moins bons, que j'ai dû commettre quelques erreurs, mais s'ils regardaient un petit peu leur écran, il verrait qu'on est en train de se battre pour slalomer entre les pilotes retardataires. Ah, je me suis complètement loupé, hein. Je suis allé couper dans l'herbe. Il n'y avait aucune raison de le faire d'ailleurs.
mais j'ai merdé. Allez, le pilote de tête de notre catégorie est en ligne de mire. Peut-être aller chercher la victoire de notre catégorie hein, sur cette course. La voiture se comporte bien, elle n'est pas trop endommagée par rapport aux collisions qu'on a eues en début de course. Donc ça, c'est plutôt bien. Puis la nuit va doucement tomber sur le circuit et ça va être une autre course qui va commencer hein, avec une piste qui va refroidir. La voiture qui va avoir donc un tout autre comportement, va falloir faire très attention à ça aussi. Le pilote de tête devant qui semble réagir un petit peu à mon retour. Oula, gros loupé au freinage ici. Ce qui m'a amené à aller faire un tour en hors-piste. Attention de ne pas commettre trop de ce genre d'erreur, hein, parce que ça peut tout de suite nous faire basculer dans les fonds du classement. Il n'y a que 8 places hein, à pourvoir hein, pour cette catégorie. Donc on peut très rapidement, quand on voit en plus que derrière le peloton est assez groupé, on peut vite se retrouver dernier. Ouais, 5 secondes de retard sur le pilote de tête. Tout est jouable encore. Hein. Time's a little bit inconsistent. Focus on those braking markers. Stay sharp. You can do it. Ouais, je sais que mes temps sont pas très constants ces derniers tours. J'ai commis quelques erreurs, hormis les rattrapages de retardataires. Je suis un petit peu trop allé brouter le gazon. Je vous laisse apprécier un petit peu les bruits du moteur aussi. Puis je me concentre pour faire ma remontée vers le pilote de tête. L'écart des 5 secondes qui se maintient avec le pilote de tête pour l'instant. Il arrive encore sur un groupe de retardataires, ce qui devrait faire mes affaires du coup. Il est en train de se faire coincer par une voiture sur laquelle il est en train de prendre un tour. Donc ouais, pour le coup, ça me profite. Parce que je suis revenu à 3 secondes 2.
regardez devant. Le pilote de tête qui est en train de se faire coincer par une McLaren. Là, le pilote qui ne laisse pas passer malgré le drapeau bleu. Il s'écarte pas de la trajectoire, il lève pas le pied. D'ailleurs, contact avec le pilote là ici. Une grosse glissade à l'air accélération, mais j'étais un petit peu trop empressé d'accélérer. Aïe aïe, il freinait trop tard, j'ai freiné sur la bosse. Donc la voiture a décollé. Et du coup c'était trop tard pour ralentir la voiture suffisamment ou bien masquer dans le virage. Ah, il cherche la solution. Hein. D'ailleurs, c'est mon coéquipier qui est devant. Regardez-moi ces deux abrutis là devant qui me font barrage. Puisque l'Audi R8 était en train de prendre un tour sur la BM. Et du coup, il y a encore l'Audi R8 là, qui vient me taper sur le ponton. Hein. Oh, c'est quoi cette histoire là? Et mon coéquipier qui allume les phares devant. On va pas s'accrocher, hein, on est dans la même équipe. Équipe Oreca qui doit faire des petits bonds dans les stands en voyant ces deux voitures devant. Ouais, j'allume les phares à mon tour. Un peu trop de vibreur. Vraiment un peu trop gourmand sur les vibreurs là pour le coup. Et encore des retardataires. Mon coéquipier qui s'en sort bien, qui a réussi à passer la BMW sans vraiment. Oulala, regardez-moi ça, on se croirait sur l'autoroute des vacances quand on descend dans le sud l'été vers Orange. C'est vraiment oulala, tout en file indienne. Et là, je peux vous dire que pour arriver à passer, il va falloir jouer des coudes. Ça, c'est pas... Ah ouais. Il est gentil, hein. Et les gars, vous avez des drapeaux bleus, là. Il va falloir laisser passer maintenant. Ouais, contact avec la RUF, ici. Regardez-moi ça, il bloque complètement le passage, empêchant littéralement mon coéquipier de s'envoler. Attention de ne pas accrocher hein, quand même, ça serait vraiment dommage. La RUF ici qui en profite, hein, qu'on soit un petit peu en train de lever le pied. Oh là là, ça se déboîte de partout. Là, on peut dire qu'on serre les fesses, comme on dit. On fait de l'huile. Allez, une GT4 contre une GT3. Regardez-moi ça, personne s'écarte. La RUF qui fait des grosses traversées de piste hein, depuis tout à l'heure. On va finir par se rentrer dedans. Là, ça y est, je suis coincé derrière la GT3, là. Aston.
c'est le moment de passer maintenant. Oula. Gros dérapage. Gros dérapage là ici en sortie de virage. Et du coup regardez, hein, j'ai perdu une place. J'ai perdu une place à cause des retardataires, hein, bien évidemment. Les pilotes qui étaient derrière sont revenus. Ça c'était à prévoir, hein, de toute façon. Il suffisait d'un moment de déconcentration, d'une perte de rythme. Et on se retrouve, voilà, à perdre des places. Et ça c'était à prévoir, je le savais. Ça pouvait arriver à tout moment. Elle est la même Aston Martin que tout à l'heure. On a passé ici avec un petit contact que j'ai envoyé aller voir un petit peu à l'extérieur du circuit si c'était plus intéressant. Il va falloir la regagner cette place. Hein. Surtout que ce petit accrochage, enfin cette petite touchette dans les pneus, m'aura un petit peu abîmé la mécanique. Allez, il reste 3 minutes dans la course, hein, c'est pas le moment de flancher. Il faut la récupérer cette deuxième place. C'est impératif pour l'équipe et pour le championnat. Ici ça a été chaud, hein. Je me suis faufilé dans un trou de souris pour prendre l'avantage sur la RUF. On est obligé d'aller mettre un coup les roues dans l'herbe, hein, pour éviter d'aller au contact avec le pilote qui est devant. Ça devient tendu l'affaire. Allez, on va récupérer cette deuxième place. Puisque pas mon coéquipier, mais l'autre pilote qui était devant s'est fait coincer par la RUF ici à la réaccélération. Et du coup, moi qui avais le champ libre, j'ai pu mieux m'élancer et récupérer du coup la deuxième place. Quelques secondes devant, on retrouve mon coéquipier de nouveau. Il reste 40 secondes de course. Je vois pas comment on pourrait aller chercher la victoire. Mais déjà un doublé de l'écurie Oreca sur les deux premières places, ça sera déjà beau. Allez, on se déconcentre pas. On peut gagner de la place encore. Et là, attention en réaccélération. Hein. Là, la voiture commence à partir très très vite. La piste qui va se refroidir un petit peu. Et puis les petits problèmes de parallélisme qu'on a là, qui rend la voiture un petit peu délicate à conduire. Voilà, la course est terminée.
On va finir de boucler notre tour et notre coéquipier qui va donc s'emparer de la victoire. Essayons-nous de finir à la bonne deuxième place. Voilà, normalement sans trop d'inquiétude, on devrait franchir la ligne de départ arrivée en deuxième place. Et voilà, c'est chose faite. Quelle chaleur, qu'est-ce que ça a été une course compliquée et difficile. Il va falloir que j'aille boire un coup hein, parce que ça a été quelque chose hein, quand même. Et donc je finis donc 7e au classement général, 6e mon coéquipier. Hein. Donc nos deux voitures qui finissent première et deuxième dans notre catégorie. Et ça c'est vraiment la bonne opération. Et donc on en arrive au résultat suite à cette deuxième manche sur ce championnat américain d'endurance. Donc notre équipe qui marque beaucoup de points ici, hein, puisque mon coéquipier donc marque 25 points et moi 18. Ce qui nous amène à faire au niveau du calcul. Donc pas de points de bonus pour moi, hein, quand même un podium. Au niveau du calcul, au résultat par pilote, mon coéquipier qui est premier ex aequo avec Muharrem Bayrak. Et je suis donc quatrième avec 22 points. La contre-performance de la première course m'aura vraiment porté préjudice. J'espère pouvoir me refaire dans les prochaines manches. Et au championnat du monde des constructeurs, du coup, ça nous aura marqué beaucoup de points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous.